C'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Elle n'a jamais peur de rien, elle met de la joie sur son chemin. J'adore faire des pirouettes dans la prairie. Maya! 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 Je viens de voir un ours là-bas. T'as vu un ours? Mais il n'y a pas d'ours par ici, Willy. Mais si, je t'assure, j'en ai vu un. Il était marron avec de grandes oreilles et des yeux qui me regardaient comme ça. Je l'avais dit. Tu as raison, c'est un ours. Et les ours adorent le miel. Il faut prévenir la ruche. Hé, ne me laisse pas ici tout seul. J'ai besoin d'une sieste. Excusez-moi, mais je dois absolument parler à la reine. C'est très très urgent. Maya, c'est bon, vous pouvez la laisser passer. Désolée, votre majesté, mais c'est une urgence. Willy et moi, on a vu un ours près de la ruche. Un ours? Tu en es sûre? Absolument, votre majesté. Mais on n'a jamais vu d'ours dans notre région, n'est-ce pas, mademoiselle? Maya s'est peut-être trompée. Peut-être, mais je ne vais pas prendre le risque. Il faut faire évacuer la ruche. Garde, déclenchez l'alerte à l'ours. Alerte à l'ours! Alerte à l'ours! Alerte à l'ours! Évacuation de la ruche! Ordre de la reine! Stop! Faites place à sa majesté. Mademoiselle Cassandre, dites-moi où on va. Mademoiselle Cassandre, nous allons nous installer ailleurs en attendant que l'ours quitte la prairie. Mais où ça? J'étais dehors, en fait, et je surveillais. Voilà, c'est ça, je surveillais la ruche. Au cas où l'ours viendrait, je montais la garde. Tout le monde est parti. Toi qui vis dans la ruche, tu dois savoir où ils sont allés. Oh, bien sûr, je le sais. Enfin, je l'ai su. Attends, c'est... Non, c'est pas ça, mais je me souviens que... Maya, attends-moi! C'est lui! C'est l'ours! Ça vient de cette grotte! Oh.
crois qu'il est derrière ce rocher. Alors n'y va pas. N'y va pas, c'est une bête féroce. Oh, non, pas si féroce que ça. Flip! Salut. Tu nous as fait peur, Flip. Tes ronflements, on a cru que c'était un ours. Un ours? Il n'y a pas d'ours dans la région. Si, il y en a un, je l'ai vu. Je sais ce que je dis. Je vais vous le prouver. Je vais vous montrer où je l'ai vu. Je l'ai vu juste... Ici, regardez, des oreilles. Je le vois aussi, mais normalement un ours, ça bouge. Peut-être qu'il fait semblant pour pouvoir nous sauter dessus. Ou bien il fait une sieste. Un ours, ce n'est pas beaucoup plus gros d'habitude. C'est un ours en peluche. Oh, quelqu'un a dû l'oublier ici. Regardez, ce n'est qu'un jouet, vous voyez. Oh, touche, Willy, c'est super doux. Oh, doux comme de la mousse. Ça me donne envie de dormir. Trop doux. Oh non! Les amis, c'est horrible! Quoi? On a donné une fausse alerte! Toutes les abeilles ont quitté la ruche à cause de nous! Maintenant, la reine va être furieuse! Oh! Oh non, oh non! On va se faire tirer les antennes, ça c'est sûr! On va se faire gronder! Elle va nous faire nettoyer les alvéoles et porter le miel! On aura tellement de punitions qu'on n'aura plus le temps de dormir! Ni de manger! Oh! Willy, calme-toi. C'est moi qui irai voir la reine. Après tout, c'est moi qui ai donné l'alerte. Mais comment on va pouvoir les retrouver? On va demander à Paul. Il est au courant de tout ce qui se passe dans la forêt. Affirmatif, Maya. Nous avons aperçu la reine. Elle fuyait la ruche et elle volait à grande vitesse par là. Comment ça? Tu veux dire vers l'étang? Affirmatif, en direction du nord-nord-ouest, vers l'étang. Merci, Paul. Tu es vraiment formidable. Oui, merci. Plus vite on les retrouvera et plus vite on se fera punir par la reine. À ton service, Maya. Hop! À vos postes! Retirons cette branche. Elle bloque le passage. À vos ordres! Attention, tout le monde en place. Prêt? Soulevez! À mon commandement. Garde tout. Et maintenant, posez. Dis donc, ces fourmis sont trop balèzes. Ah, bon commandement. Paul, je peux encore te demander un tout petit service? Allons, allons, pressons. Nous devons être installés avant la tombée de la nuit. Hop, 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 hop. Allons voir la reine pour lui dire toute la vérité. Attends, Maya, attends. On n'est pas obligé de lui dire maintenant. On n'a qu'à tout avouer l'année prochaine. Non, Willy. On a déjà fait assez de dégâts comme ça. Votre Majesté? Maya, tu as vu notre campement. Nous y resterons jusqu'à ce que l'ours soit parti. Et ensuite, nous regagnerons notre ruche. Ou, en tout cas, ce qu'il en restera. Votre Majesté, justement, en parlant de l'ours... Que se passe-t-il, Maya? L'ours dont je vous avais parlé n'était pas un vrai ours. Comment ça, ce n'était pas un vrai ours? Oh, oh, oh non! Enfin, Maya, tu pourrais m'expliquer? C'était un ours en peluche, mais on ne savait pas. Et on a entendu des grognements. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Les grognements étaient en fait mes ronflements. Et eux ont cru que c'était un ours. Ils ont voulu bien faire. Il ne faut pas leur en vouloir. Mais alors, la ruche n'est pas menacée?
Je vais vous montrer, votre majesté. Vous allez comprendre. Paul! Paul! À mon commandement, en avant pour la reine des abeilles! Alerte à l'ours! Tout le monde aux abris! Regarde comme ils ont peur! C'est trop drôle! Majesté. S'il vous plaît, ça va, tout va bien. Cet ours est parfaitement inoffensif. Ce n'est pas grave, Maya. Tu étais persuadée que nous étions en danger et tu es venue nous prévenir immédiatement. Tu as fait ce qu'il fallait. Merci beaucoup, votre majesté. Après tout, c'était un très bon exercice d'évacuation. Maintenant, rentrons à la maison. Vous voyez, vous n'auriez pas dû autant vous inquiéter. Enfin, surtout toi, Will. Hein? Tout va bien pour toi, Willy? Tu n'es pas trop fatiguée? Maya, crois-moi, c'est le pas.